Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu passes une très belle journée jusqu'ici. J'ai envie aujourd'hui de te parler d'un sujet d'alimentation et de nutrition végétale qui est celui des oméga-3. Je ne suis pas médecin, une alimentation qui est basée sur les plantes. Et pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet aujourd'hui? C'est hyper important les oméga-3 et je crois qu'on en a tous entendu parler. Donc si tu as une alimentation omnivore, donc pas seulement basée sur les végétaux mais aussi les animaux, on te dit sans doute mange du saumon ou du maquereau ou des poissons gras et prends des huiles de poisson. Et puis peut-être que tu le fais. Régulièrement ou pas. Peut-être aussi que tu te poses des questions parce qu'en parallèle de ça, on te dit, ah non, mais dans le poisson, il y a du mercure, il y a des produits toxiques qui font que ouais, tu prends des oméga-3, mais en même temps, tu t'empoisonnes un petit peu. Donc, du coup, dans tout ça, on ne sait pas forcément trop quoi faire. Quand on est plant-based, enfin qu'on a une alimentation végétale, cette question-là, d'une certaine manière, elle est résolue. Et, mais il n'en reste pas moins que les oméga-3, c'est une forme de graisse qui est hyper importante parce que ça participe à la protection du système cardiovasculaire et également du cerveau. Donc c'est primordial. Et quand on a une alimentation végétale, en fait, il y a des solutions hyper simples et pas du tout coûteuses pour justement être sûr qu'on introduit assez d'oméga-3 dans son alimentation. Et c'est aussi des choses qui peuvent être introduites pardon, dans ton alimentation si tu as une alimentation omnivore, parce que bah, bien évidemment, enfin, le fait de manger du poisson et je ne sais quoi ne t'empêche pas de manger des plantes. Et encore moins quand c'est des choses aussi saines et qui contiennent des oméga-3. Donc je vais te présenter trois types de graines qui contiennent des oméga-3, enfin les trois sources que moi j'utilise majoritairement. Donc le premier aliment à consommer pour les oméga-3, c'est des graines de lin. C'est hyper simple, ça coûte pas cher les graines de lin. Tu vois, moi j'en ai un gros pot chez moi parce que vraiment on en consomme beaucoup. Et les graines de lin, c'est vraiment l'aliment le plus riche en oméga-3. C'est-à-dire qu'avec une cuillère à soupe par jour, et tes besoins sont remplis. Donc ça, c'est génial. Par contre, les graines de lin, comme tu peux le voir peut-être là-dessus, tu vois, ça a une forme, enfin une texture assez dure. Et si tu les manges comme ça, là, en sortant du pot, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas les absorber. Tu vas les retrouver sous la même forme dans les toilettes à peu près. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de les moudre. Pour ma part, une fois par semaine, j'en mets une quantité substantielle dans un petit moulin à café électrique. Je les moue et après, je les mets dans un petit bocal au frigo. Et tous les matins, on en met tous dans ma famille sur notre porridge ou nos fruits, enfin ce que tu prends au petit déjeuner, peu importe. Tu peux aussi les mettre dans un yaourt ou sur une salade. Enfin, vraiment, ça va avec tout. Et sous forme moulue, c'est hyper digeste, enfin hyper facilement absorbé. Et du coup, tu as plein d'oméga-3 là-dedans. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'apport d'oméga-3 principal, en tout cas dans mon alimentation et dans ma famille. Et tu vois vraiment, enfin les graines de lin, c'est pas cher, ça se trouve partout, c'est tout simple. Tu peux aussi les faire tremper si tu n'as pas envie de les broyer. Et dans ce cas, elles vont former ce qu'on appelle un mucilage. C'est une sorte de liquide un peu visqueux autour. Et c'est pour ça qu'on les utilise par exemple comme liant en remplaçant d'œufs, par exemple, dans la cuisine végétale, où on peut s'en servir pour faire des crackers végétaux, des trucs comme ça. Donc tu peux les faire tremper, ça les rend plus digestes aussi. Mais moi, j'utilise en tout cas la forme moulue le plus souvent parce que c'est hyper simple, ça te donne une poudre qui est très très pratique. Par contre, la forme moulue, tu la conserves dans un bocal au frigo parce que, une fois qu'elle est moulue, elle perd donc son enveloppe de protection et donc elle peut rancir, ce qui serait quand même dommage. Donc, tu les moues, tu les mets au frigo, ou tu trouves une autre façon de les consommer, tout en sachant qu'entière on les digère moins bien, et tout en sachant que c'est vraiment la forme, enfin je crois que c'est l'aliment le plus riche en oméga-3 et sous la forme la plus économique qui soit, vraiment. Le deuxième, c'est la graine de chia que j'utilise pas mal, qui est un peu moins riche en oméga-3 que la graine de lin, mais qui en contient quand même pas mal et puis qui a d'autres avantages. Par exemple, la graine de chia, c'est très riche en calcium. Et donc là, enceinte, c'est vrai que c'est une combinaison que j'aime bien parce que oméga-3 calcium, c'est pas mal, tu vois. Et
La graine de chia, tu n'as pas besoin de la broyer, mais tu peux par exemple la faire tremper. Elle absorbe aussi le liquide. Comme la graine de lin, elle forme une forme de gelée. Et du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est la mettre par exemple la veille au soir dans un bol avec du lait végétal et je le laisse la nuit et ça fait une sorte de pudding que je mélange après avec des fruits ou tu peux le mélanger avec un porridge ou ce que tu veux. Donc là, c'est hyper facile aussi. Donc de la même façon, si tu la consommes comme ça, toute sèche, tu vois, il y a une enveloppe de protection, c'est une graine, donc c'est pas idéal pour l'absorption. Donc fais-la plutôt trempée ou intègre-la dans quelque chose qui soit liquide, comme ça elle va absorber le liquide et elle va te permettre d'absorber des nutriments plus facilement. Mais la graine de chia, c'est vraiment chouette aussi. C'est un peu plus cher que la graine de lin. Donc tu vois, moi j'en ai moins. On voit à peu près les proportions de ce que j'ai chez moi. Et souvent, je la prends en complément de la graine de lin. C'est-à-dire que je prends quasiment tous les jours des graines de lin. Et peut-être, je sais pas, un jour sur deux, un jour sur trois, des graines de chia également. Mais vraiment, c'est une bonne source aussi. Et un très bon rapport qualité-prix parce qu'elle gonfle énormément. Donc tu mets par exemple 2 cuillères à soupe avec du lait végétal, ça te donne vraiment une bonne quantité d'oméga 3 et d'autres nutriments intéressants. Et voilà, bonne solution aussi. Et la troisième, que j'utilise plus avec parcimonie parce que c'est plus cher, c'est la graine de chanvre. Tu vois la graine de chanvre? Donc là, c'est des graines de chanvre décortiquées. Donc, il n'y a pas cette enveloppe de protection que tu vois sur les graines de lin et les graines de chia. Et donc, la graine de chanvre, elle contient encore un petit peu moins d'oméga 3 que la graine de lin, puis la graine de chia. Mais elle en contient quand même. Et puis, elle contient également d'autres choses qui sont intéressantes en termes de nutrition. Et ce qui fait que parfois, je prends aussi des graines de chanvre. C'est très riche en protéines, par exemple. Et des protéines de très bonne qualité, très complètes. Donc du coup, c'est un bon apport également pour ton alimentation. Et en fait, la graine de chanvre, en général, elle s'achète décortiquée. Et donc, tu n'as pas besoin de la faire tremper, ni de la moudre, ni quoi que ce soit. Tu te contentes de la saupoudrer sur ta salade, sur ton porridge, sur ce que tu veux, enfin, ce que tu manges. Et ça s'absorbe facilement. Donc, c'est une bonne solution aussi. Encore une fois, il y a moins d'oméga 3 que par exemple dans les graines de lin qui sont vraiment, pour moi, la reine des oméga 3. Mais il y en a, donc c'est un... Pour varier, c'est sympa aussi. Noix de Grenoble, comment est-ce que j'ai pu oublier les noix de Grenoble sur le comptoir de ma cuisine? Donc les noix de Grenoble, c'est aussi une excellente source d'oméga 3. On ne le sait pas forcément, mais voilà, facile à trouver, qu'elles soient fraîches ou sèches. N'hésite pas à en consommer 2 ou 3 par jour, c'est un excellent apport d'oméga 3, voilà, en plus des graines que je viens de te présenter. Voilà, tu as aussi des oméga 3 dans les légumes à feuilles vertes et dans certaines salades, en particulier la salade qu'on appelle la romaine, qui est très riche en oméga 3, mais beaucoup moins quand même en comparaison de ces graines. Donc pour moi, c'est un apport complémentaire. Et en tout cas, dans le cas de mon alimentation, c'est pas un apport principal, parce que je mange pas non plus 3 kilos de salade par jour, si tu veux. Mais, voilà, il faut le savoir. De toute façon, tu sais que les feuilles vertes, c'est hyper bon pour toi, et que donc ça vaut le coup de les introduire dans ton alimentation. Et après, pour avoir des sources d'oméga 3 principales, ces 3 graines que je viens de te présenter, c'est vraiment pas mal. Voilà, encore une fois, c'est juste mon expérience, c'est ce qui marche pour moi, pour ma famille, mais je trouve que ça vaut le coup d'être partagé parce que vraiment les oméga 3, t'en as sans doute entendu parler des milliards de fois, peut-être que tu te supplémentes, peut-être pas, mais en tout cas c'est important d'en avoir une bonne quantité dans ton alimentation, c'est important pour les artères, c'est important pour le cœur, c'est important pour le cerveau et on y tient à tout ça vraiment, donc il faut en prendre soin. Moi, je te remercie pour avoir partagé ce moment avec moi. Je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi, parle alimentation, parle au reste. Bouge, respire, médite, fais-toi du bien. Prends soin des gens autour de toi. Moi, je t'envoie plein d'amour, plein de pensées positives et plein d'oméga 3. Et je te souhaite une très très belle journée. À très vite. Au revoir.